perd pas, on prend un point. Je pense que c'est un match qu'on où on perd deux points par notre faute. Même si voilà, on va pas enlever la qualité de l'adversaire, mais je pense que c'est des. On s'est mis en difficulté sur par rapport à nous-mêmes. Donc ça aussi qui est intéressant de voir, et ça nous permet de voir qu'il y a toujours des axes de progression, que tout peut se passer dans cette Coupe d'Afrique si on ne fait pas tout ce qu'il faut pour gagner les matchs. Donc c'est comme j'ai dit après le match, c'est mieux que ça nous arrive maintenant que plus tard dans les matchs à élimination directe. Donc voilà, il faut que ça nous serve aussi pour la suite, que ça nous aide à continuer à grandir, et que voilà, que ça nous permette d'avancer sur le bon chemin, et qu'on continue à monter en puissance pendant cette compétition.